Bonjour les frédulettes, bonjour les frédulleurs. Aujourd'hui, je vous fais une présentation rapide des contrées de l'horreur, un jeu de nouveau inspiré de l'univers de l'appel de Cthulhu et qui est en fait un remake d'un ancien jeu qui s'appelait Horreur à Arkham, jeu de plateau totalement coopératif, dans lequel, comme d'habitude, les investigateurs devront affronter de grandes menaces et contrer les grands anciens. Alors, commençons par les deux livrets de règles fournis dans la boîte, le livret règles du jeu et le livret guide de référence. Alors, règles du jeu, bien sûr, va détailler tout ce qui est mise en place et points de règles principaux en termes de déroulement du jeu, les phases des joueurs, les phases de rencontre et la phase de mythe. Et ensuite, nous avons donc le guide de référence qui va permettre de pousser un petit peu plus loin, eh bien, tous les points de règles, plus ou moins, non pas compliqués, mais ça va permettre par système de mots-clés de clarifier plusieurs points et on pourra s'y référer en cours de partie. Alors, où se passent les contrées de l'horreur? Eh bien, tout simplement à travers le monde entier. Ce n'est pas seulement comme dans les demeures de l'épouvante situées dans une ville, mais là, c'est vraiment dans le monde entier, comme vous le voyez, avec un plateau de jeu qui est superbement illustré et relativement grand, qui prend de la place sur la table de jeu. Si l'on détaille le plateau, nous avons la piste de destin qui est tout en haut. Si par malheur la piste de destin devait arriver à zéro, la partie serait perdue. Il y a la piste des présages qui est liée à l'apparition de portails et de génération de monstres en cours de jeu. Et puis, comme je vous le disais, ça se passe à travers le monde. Donc, on a des grandes villes, Sydney, Shanghai, Tokyo, Istanbul, Rome, San Francisco, la ville fictive d'Arkham. Voilà là où les joueurs donc vont pouvoir interagir pour mener leur enquête. Pour se déplacer à travers toutes ces villes et certains lieux de mer ou de cases de villes à travers le monde, on a trois moyens de le faire, à savoir à pied ou en voiture, on va considérer avec les pointillés jaunes. Il y a la possibilité d'emprunter le chemin de fer représenté par les rails rouges ou bien les voyages en mer représentés par les lignes blanches. Pour finir sur le plateau, il y a des cases spéciales appelées la réserve, et c'est dans cette réserve que les investigateurs vont pouvoir acquérir certains objets. Alors, en parlant des investigateurs, pour mener à bien les différentes missions qui vont nous être confiées, il y a 12 investigateurs, 6 femmes, 6 hommes, avec des fiches cartonnées souples recto verso qui sont, comme d'habitude, très très bien illustrées, et les fiches de personnages accompagnées avec les jetons cartonnés qui représentent les portraits des investigateurs. Alors, pour réussir dans les différents tests qu'il y a à effectuer en cours de jeu, il y a, comme d'habitude, dans les jeux de cette gamme, des compétences particulières, le savoir, l'influence, l'observation, la force et la volonté. Et ces tests, comme d'habitude, sont résolus à l'aide de dés à 6 faces. En ce qui concerne les cartes, les premières cartes, nous avons des objets plutôt communs, qui vont des armes comme un 45 automatique,
revolver 38, nous avons aussi du kérosène. Tous ces objets vont donc pouvoir être acquis au niveau de la réserve en cours de jeu. Il y a aussi des artefacts, des objets beaucoup plus particuliers. Le masque blême, un livre d'Evermis Mysteris, donc des artefacts beaucoup plus puissants que les simples objets de base et qui vont permettre d'accomplir des actions un petit peu plus poussées. Il y a aussi des cartes sorts que l'on retrouve dans tous les jeux de la gamme et des cartes de conditions qui sont ou bien bénéfiques ou bien malheureusement maléfiques, comme des dettes. On peut se retrouver détenu, amnésique, donc des choses qui vont ralentir en fait la progression des investigateurs. Nous avons aussi un petit paquet de cartes de référence qui vont servir à générer, selon le nombre de joueurs, à générer eh bien, un certain nombre de portails, d'indices ou d'invasions de monstres, selon que l'on joue à 5, 6, 4, 2 joueurs, puisque le jeu de mémoire est jouable de 1 à 8 joueurs. Nous passons ensuite aux divers pions que l'on rencontre dans toute la gamme. Il y a bien sûr toujours les fameux pions tokens qui représentent la santé mentale, ceux qui représentent la vie. Il y a différents jetons et marqueurs, notamment marqueurs premier joueur. Et des jetons qui sont utilisés en cours d'aventure. Il y a aussi des pions indices, des pions dont j'ai perdu le nom, mais qui servent à symboliser différentes étapes. Et puis, il y a des jetons tickets de transport, tickets de transport par bateau, qui permettent d'utiliser plus facilement des lignes de mer ou les tickets de transport ferroviaire pour rallier plus facilement et plus rapidement des villes séparées par le chemin de fer. Et nous avons aussi des pions d'amélioration des compétences des investigateurs. Par exemple, là, j'ai un plus 1 en influence. Et en cours de partie, si j'améliore, ça permet de placer le plus 1 directement sur la fiche de personnage, sachant qu'au maximum, on peut améliorer une compétence de plus 2. Encore des paquets de cartes. Ceux-ci vont permettre de résoudre les rencontres que vont faire les investigateurs lorsqu'ils finissent leur déplacement sur les cases dédié. Il y a un paquet de rencontres par couleur de ville. Là, on voit qu'il y a un paquet de cartes qui correspond aux trois villes orange. Et lorsque l'on fait une rencontre, eh bien, on peut faire une rencontre à Londres, à Rome ou à Istanbul. Et chaque rencontre est sous-jacente à un jet de caractéristiques que l'on doit faire pour pouvoir passer tous les tests. Il y a donc un paquet pour les villes orange, nous avons un paquet pour les villes violettes, Shanghai, Tokyo, Sydney, et un paquet pour les villes vertes, San Francisco, Arkham et Buenos Aires. Elles sont toutes construites sur le même principe. En termes de rencontres, nous avons aussi des rencontres un petit peu plus génériques qui sont liées aux cases de mer, de nature ou de ville, avec toujours des tests à accomplir. C'est beaucoup plus générique que les rencontres que l'on peut faire dans les grandes villes, sachant que sur chaque ville est définie une amélioration spécifique ou une rencontre spécifique. Par exemple, sur Shanghai, on sait que l'on va principalement pouvoir améliorer le savoir,
À Tokyo, on pourra terrasser des monstres plus facilement, améliorer l'influence à Istanbul, générer des pions indices plus facilement à Londres. Voilà comment sont classées les cartes de couleurs. En parlant des indices, il y a un gros paquet de cartes qui va permettre de trouver les indices qui vont être dispatchés en cours de jeu sur différents lieux, sachant que les indices servent principalement à résoudre les cartes pour faire avancer l'histoire. Il y a des cartes ici aussi qui permettent de résoudre. J'ai oublié de nouveau le nom. On va le retrouver de suite. J'aurais dû réviser avant. Des cartes qui permettent, voilà, de résoudre les expéditions en cours. Là encore, c'est un pion expédition qui se balade au fur et à mesure de la partie, qui se balade sur le plateau. Et le paquet de cartes expédition permet d'en résoudre les rencontres. Et puis, il y a un dernier paquet de cartes qui permet de fermer les portails, puisque c'est une des menaces du jeu. Il y a des portails qui vont apparaître au fur et à mesure sur le plateau. Qui dit portail dit génération de monstres. Et plus on va fermer de portails, plus ça va permettre de contrer le mythe. Alors justement, les monstres qui sont associés à l'apparition des portails, eh bien ce sont des jetons cartonnés, assez épais, avec différentes créatures, biaki, sorcières, des cultistes. Et tous ces monstres sont piochés au hasard au fil de la partie et vont venir pourrir le plateau. Alors, les monstres concernent bien évidemment les grands anciens, la phase de mythe. Les portails, comme on l'a évoqué, apparaissent à différents endroits. Sydney, Istanbul, Shanghai, bref, toutes les villes qui sont inscrites sur le plateau. Il y a des monstres très spécifiques avec un coin biseauté et ce sont un petit peu des boss qui peuvent être générés de temps en temps selon le déroulement du jeu. Toujours pour continuer sur les cartes du mythe, il y a quatre grands anciens à affronter qui sont fournis dans la boîte. Nous avons Azathoth, Yog-Sothoth, Shub-Niggurath et enfin le mythique Cthulhu. Les fiches des grands anciens sont elles aussi recto verso, avec lorsque l'on doit retourner la fiche, des applications vraiment spécifiques qui ne sont pas de bonne aloi. Chaque grand ancien en fait est plus ou moins dur à affronter. Puisque si nous prenons Azathoth, il démarre avec un 15 sur la piste du destin. Donc on a 15, en gros 15 tours, on va dire, avant de perdre si le marqueur atteint le 0. C'est d'ailleurs ce jeton-là qui marque la piste du destin. Et ce jeton-là marque la piste de présage. Azathoth étant le plus facile à affronter puisque on a plus de tours pour le contrer. Ensuite, nous avons Yog-Sothoth avec 14 et puis Shub-Niggurath avec 13 et enfin Cthulhu avec 12. Donc, dès qu'on affronte Cthulhu, on a beaucoup moins de temps pour pouvoir gagner. Le mythe est accompagné de 3 paquets de cartes distinctes. Le premier paquet de cartes qui raconte un petit peu l'avancée de l'enquête des joueurs. Et généralement, il faut résoudre 3 cartes enquête
pour pouvoir gagner la partie. Il y a des spécificités lors de la phase du mythe. On tire une carte comme ceci et on applique les effets qui sont généralement très très mauvais et qui font avancer le jeu. Et enfin, des cartes spéciales pour un des grands anciens qui vont aussi bien sûr ralentir ou pourrir, voire même faire mourir les investigateurs. Voilà pour cette présentation très succincte du contenu des contrées de l'horreur. Très 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 bon jeu avec vous. J'espère qu'on aura le plaisir de mettre quelques tripotés aux grands anciens. À bientôt les frédulettes, à bientôt les fréduleurs.